Donc salut à tous, dans cette nouvelle vidéo, on va parler de retouches photo avec des photos prises à la GoPro et plus précisément on va parler de presets. Qu'est-ce qu'un preset et comment les utiliser pour retoucher ces photos? Ma dernière vidéo, j'avais parlé des LUT en vidéo et les fichiers LUT, c'est un peu comme un preset sauf que c'est les presets qui sont faits pour la vidéo. Et donc cette deuxième vidéo, ça va être concentré que sur la partie photographie. Donc même si vous n'avez pas une GoPro, vous pouvez quand même suivre cette vidéo parce que ça s'applique à tout type de photo, même si c'est fait par téléphone ou avec un appareil photo. Mais là, je vais parler particulièrement de photos prises avec une GoPro. Là, pour le coup, celle-là, qui est une GoPro Hero 8 Black. Et toute la retouche va se passer sur téléphone. Donc vous n'avez vraiment pas besoin d'avoir un ordinateur très puissant ou des logiciels. Parce que en plus on va utiliser une application qui est totalement gratuite, c'est Lightroom, donc Lightroom mobile. Il y a aussi une version payante pour cette application, mais là ce que je vais vous montrer, vous n'avez pas besoin d'avoir la version payante. Donc je vais vous montrer comment est-ce que, si là je veux utiliser mon propre preset, ou si j'ai acheté un preset, ou téléchargé un preset à n'importe qui, comment est-ce que je peux l'utiliser depuis mon téléphone sur mes photos GoPro. Normalement, quand on a un preset, on a un lien de téléchargement ou alors un fichier, en tout cas, on a un moyen de l'avoir. Donc, ce que je recommande, moi, c'est de aussi télécharger le preset sur son téléphone et pas que sur son ordinateur. Comme ça, on pourra faire le même type de retouche sur les deux. Et une fois qu'on l'a sur son téléphone, donc par exemple, si on a eu un lien de téléchargement, on le télécharge. Et maintenant, ça sera aussi dans les dossiers du téléphone. Donc une fois qu'on est sur Lightroom mobile là, on va rester sur Library ou Bibliothèque si jamais vous avez l'application en français. Donc ça va juste être toutes vos photos et ce que vous allez importer. Et là, si j'utilise le petit plus bleu, ça va m'amener dans ma galerie. Et ici, je vais chercher le preset que je viens de télécharger. Il doit être dans mes fichiers les plus récents, donc je vais aller ici dans Time. Et effectivement, c'est celui-là. Et il y a marqué le petit signe RAW. Parce que cette photo contient des informations de retouche. Donc maintenant je vais en bas et je fais ajouter. Et maintenant, donc si je vais dans toutes mes photos, on voit que le preset a été importé dans ma galerie Lightroom. Si jamais vous le trouvez pas, peut-être qu'il est un peu plus bas, peut-être qu'il a été mis à une autre date, mais en tout cas il doit être quelque part. Donc maintenant qu'on a ça dans notre galerie, on a aussi besoin d'importer nos photos faites à la GoPro. Donc pour ça, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai branché et mon téléphone et la GoPro sur mon ordinateur, les deux en USB. Et j'ai tout simplement pris toutes les photos qu'il y avait dans ma GoPro et transféré dans un des dossiers de mon téléphone. Bien sûr, ça marche avec les fichiers qui sont en JPEG. Ça ne va pas forcément marcher avec les fichiers qui seront en format RAW. Une fois que j'ai fait ça, du coup, je reviens. Et là, encore une fois, on va chercher dans notre téléphone les photos GoPro qu'on a envie d'importer. Et j'ai créé un dossier qui s'appelle GoPro Photo. Donc là, je vais déplier pour avoir. Donc voilà, là j'en ai 7. Je vais toutes les importer pour pouvoir toutes les retoucher d'un coup. Ok, ajouter. Ok, donc maintenant, comme on peut voir, ça a importé mes 7 photos à la GoPro. Ce que je vais faire, c'est je vais aller sur mon fichier preset. Donc c'est celui-là. Je vais le sélectionner. Tout en haut à droite, il va y avoir 3 petits points. Je vais aller là-dessus. Et là, on va voir qu'il y a marqué « Copy settings » ou « Copier paramètres » en français. Donc, je vais choisir ça. Donc, je vais faire « Valider ». Et maintenant, je vais aller sur mes autres photos. Donc, on va commencer par celle-là en premier. Tout ce que je vais avoir à faire là, maintenant qu'on a copié les paramètres de mon preset, je retourne sur les 3 petits points. Je vais faire « Paste settings », qui veut dire du coup « Coller les paramètres ». Et donc voilà ce que ça nous a donné en seulement 2 clics. Donc maintenant ce qu'on va faire aussi, c'est on va pouvoir corriger le profil d'objectif. Donc c'est-à-dire qu'on va réussir à corriger l'effet de déformation du fisheye. Attention, je crois que ça ne marche peut-être pas sur tous les téléphones Apple. En tout cas moi sur téléphone Android ça marche très bien. Mais on m'a déjà fait la remarque qu'il y avait des versions de Lightroom pour Apple sur lesquelles il n'y avait pas cette option. Donc juste confirmez-moi ça dans les commentaires si ça vous arrive. Je vais sélectionner la deuxième option et on va cliquer sur sélectionner un profil. Ici, là, il y a toutes les marques de caméras populaires qui existent. Donc il y a GoPro. Je vais choisir GoPro. Après modèle, je vais choisir le modèle de GoPro le plus proche du mien
Donc moi par exemple c'est une Hero 8, donc je vais choisir Hero 7 parce qu'il n'y a pas le profil d'Hero 8, mais c'est exactement la même chose. Maintenant je vais faire OK. Et là ça a corrigé aussi la déformation fisheye de l'objectif. Donc comme vous pouvez le voir, là c'est avant, là c'est après. Vous pouvez rester appuyé sur l'écran pour que ça vous montre un avant-après. Donc voilà comment très rapidement on a fait la retouche de cette photo. Après là par exemple on peut trouver que ouais, le ciel est un petit peu trop bleu. Donc pour ça je vais aller dans couleurs. Et là soit je peux baisser un petit peu la vibrance, ce qui va baisser et atténuer toutes les couleurs de la photo. Soit je peux aller ici là dans mix où il y a le petit cercle avec les couleurs, choisir ma couleur bleue. Donc il y aura les bleus turquoise et les bleus, et baisser la saturation. Donc voilà, comme ça par exemple c'est un petit peu mieux. Je peux aussi baisser un petit peu les turquoises si j'en ai envie. Voilà, donc après ça c'est en fonction des goûts bien sûr, mais voilà le avant après qu'il y a sur cette photo. Et en gros tout ce que j'ai fait c'est que j'ai copié mes paramètres et après j'ai voulu changer la déformation du fisheye et j'ai un tout petit peu atténué la couleur bleue, mais ça fait une retouche qui est très complète et qu'on peut considérer comme terminée. Donc maintenant disons que on veut retoucher une autre photo qui a été prise à peu près dans les mêmes conditions. Donc là par exemple moi ma deuxième photo, on va dire que celle-là je veux qu'il y ait exactement la même retouche. Je peux retourner sur mon preset pour copier les paramètres, mais je peux aussi retourner sur la photo qui contient aussi les paramètres du preset. Donc pareil, ici je vais faire les trois petits points, copier. Je vais sur celle-là maintenant et coller. Et là, comme on peut le voir, ça m'a même copié la déformation du fisheye. Et donc voilà, celle-là a vraiment été retouchée du coup en une seconde. Vous pouvez voir encore un avant après. Maintenant, troisième photo. Si je veux, je peux faire pareil. Trois petits points collés. Maintenant, une quatrième qui est dans des conditions qui sont vraiment différentes. Mais on va faire quand même pareil. On va faire trois petits points collés. Et là, on peut voir que la retouche s'est bien appliquée, mais qu'on a une photo qui est très froide. Et ça, c'est dû à la balance des blancs. Donc des fois, la balance des blancs, elle est à changer quand on utilise des presets, parce que le preset n'est pas assez intelligent, on va dire, pour toujours savoir quelle balance des blancs choisir. Donc là, ce qu'on va faire, toujours dans couleurs, là, on a plusieurs options. Et si je fais automatique, voilà, il faut mieux du coup que l'application choisisse la balance des blancs plutôt que la caméra. Donc une quatrième photo de retoucher. Encore une autre sous la neige, donc on va faire pareil. Ici, on n'a rien à changer parce que la balance des blancs a bien marché. Maintenant, voilà, je vais retoucher celle-là. Hop, coller. Et ma dernière, coller. Donc en gros là voilà comment est-ce que j'ai retouché mes 7 photos très rapidement en utilisant d'abord le preset et en utilisant après la première photo que j'ai retouchée où on va dire que j'ai un petit peu peaufiné le preset et après il y a juste à coller sur chacune de nos photos et on peut retoucher comme ça des dizaines de photos très rapidement. Donc ça fait gagner du temps, c'est vraiment pratique si on n'a pas envie de trop se prendre la tête de retoucher toutes ces photos sur ordinateur. Donc voilà, en gros pour vous rappeler, la première chose à faire c'est importer le preset. Donc déjà vous l'importez sur votre téléphone et ensuite vous l'importez dans l'application Lightroom Mobile. Après en deuxième, importez les photos de la GoPro dans le téléphone. En troisième, vous copiez les paramètres de votre preset. Et en quatrième, vous collez les paramètres de votre preset sur les photos que vous souhaitez retoucher. Et ensuite, s'il y a deux choses que vous voulez changer, le profil de correction de l'objectif, si votre téléphone vous le permet. Et en deuxième, si jamais vous trouvez qu'il y a un problème de couleur sur votre photo, c'est sûrement la balance des blancs. Mettez la balance des blancs en automatique si elle n'est pas déjà en automatique. Et normalement, l'application arrivera à trouver la balance des blancs correcte pour votre photo. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça a été clair pour vous et que vous allez retoucher vos photos de manière un peu plus simple après avoir écouté ces explications.
Si jamais ça vous intéresse, moi mon preset de retouche est disponible dans la description. Mais si vous voulez, il y a beaucoup de différents créateurs et photographes qui ont leur propre preset. Vous pouvez sûrement en trouver aussi des gratuits sur internet. Il suffit juste de chercher et sinon vous pouvez essayer de créer le vôtre. Si vous êtes abonné à la chaîne, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et merci d'avoir regardé. Ciao !